dans ces niveaux d'ambition que nous applaudissons, parce que seulement on peut critiquer ceux qui n'ont pas d'ambition, hein, mais ceux qui ont d'ambition, il faut les encourager, si c'est dans la bonne direction. Même si c'est ambitieux, vous vous rappellerez que ce plan est basé sur la mobilisation, surtout, des ressources privées. Et c'est une très bonne chose, parce que c'est finalement la génération de richesses produite par essentiellement les grandes entreprises et les entreprises qui génèrent de l'emploi et qui génèrent des revenus qui vous permettent ensuite de faire une politique sociale qui va au bénéfice des moins démunis. Où on va s'installer d'abord dans la réforme de l'administration, c'est-à-dire nous allons accompagner le gouvernement financièrement dans ses efforts de restructuration. Bien sûr qu'une fois que l'argent est versé dans les trésors, le gouvernement il en fait ce qu'il lui plaît, c'est-à-dire c'est lui qui décide quelles sont les priorités immédiates. Mais ce que nous allons contrôler, c'est effectivement si l'évolution de ces réformes annoncées ont été positives, ont été accomplies ou pas.